Bonjour tout le monde. Donc on va attendre à ce que toutes les personnes nous rejoignent donc, et on démarre donc, notre présentation sur la décision d'investissement. Est-ce que vous me recevez? Bonjour tout le monde, est-ce que vous me recevez? Merci, monsieur Mohamed Sti. Bonjour tout le monde. Je tiens tout d'abord à vous remercier par rapport à cette donc présente, par rapport à cet effort matinal, donc cet effort soutenu pour se réveiller ce matin dans un contexte exceptionnel. Je tiens à remercier les porteurs de l'initiative Qraya Fdar par rapport à cette initiative originale dans laquelle on va essayer de partager deux passions. J'estime que ce sont deux passions qui se complètent. D'abord, la passion pour l'enseignement, et la deuxième passion, c'est la passion pour la finance. Donc, à travers cette présentation, à travers cette présentation, je vais essayer de tracer l'ensemble des éléments importants susceptibles d'influencer de près ou de loin la décision d'investissement. Donc, ma principale contribution, elle va essayer d'apporter plus d'éclairage sur cette décision, sachant que ça va
Donc la séance d'aujourd'hui, elle va représenter une séance d'ouverture sur laquelle on va essayer de tracer les contours du sujet. Et d'autres séances viendront, inch'Allah. Donc je vais proposer à partir de la semaine prochaine une deuxième séance dans laquelle je vais essayer de revenir plus en détail sur les paramètres d'investissement, sur un certain nombre de choses qui vont permettre donc à l'auditoire, aux étudiants, donc éventuellement à toute personne porteuse de projet et qui souhaite lancer son étude financière, donc d'avoir des éléments de réponse. Donc cette contribution, elle va tenter d'apporter des éclairages par rapport aux éléments suivants. Donc dans un premier temps, nous allons essayer de revenir sur les concepts phares par rapport à l'investissement. Deuxième élément que nous allons chercher à tracer, c'est le contexte géopolitique et stratégique dans lequel va être pris la décision d'investissement d'aujourd'hui. Par la suite, nous allons traiter dans le cas du troisième point, quels sont les outils que l'entreprise aujourd'hui pourrait mobiliser pour essayer de pallier aux limites de l'incertitude, vu que l'ensemble des ouvrages de la finance, ils sont en train de parler d'une finance, mais par rapport à un contexte de certitude, alors qu'aujourd'hui et depuis quelques années, donc on est en train d'amorcer un nouvel ère, donc c'est l'ère de l'incertitude. Donc quatrième point sur lequel on va essayer de revenir, c'est les nouveaux défis auxquels vont se livrer l'entreprise et nous allons essayer de faire, nous allons essayer de revenir sur la transition, donc entreprise boîte noire et entreprise maison de verre. Donc il y a tout un changement qui a bouleversé l'entreprise et par cela son fonctionnement, les démarches et la stratégie, etc. Dans le cinquième point, nous allons revenir sur la typologie des différents types d'investissements, donc typologie des différents investissements que l'entreprise elle pourrait mobiliser. Je vais essayer de vous proposer un petit cas, donc un petit cas sur lequel nous allons essayer de matcher entre les différentes situations auxquelles je pourrais me présenter dans la vie de l'entreprise et quels sont les différents investissements qui seraient les plus appropriés. Donc je reviendrai sur par rapport à un autre point, donc je reviendrai sur les stratégies de montage du projet. D'accord ? Donc là, c'est un élément fondamental pour réussir le lancement d'un projet d'investissement, pour par la suite donc boucler la présentation à travers un élément qui va tenter d'approcher la méthode ou les méthodes d'évaluation du projet d'investissement. Donc, si vous avez des questions, donc je suis ouvert donc à toute proposition. Donc, si vous avez besoin d'éclairage, n'hésitez pas de me poser des questions. Je suis là pour répondre et pour ajouter donc plus d'éclairage par rapport aux éléments qui vont être débattus. Donc, premier point, investissement. Quand on parle d'investissement, c'est un engagement durable du capital. Donc, engagement durable du capital, c'est-à-dire que tout de suite, je fais allusion à un horizon temporel dans lequel nous allons miser sur le moyen et le long terme. Donc, de ce fait, la comptabilité, elle nous permet tout de suite de retrouver ou éventuellement de dissiper deux confusions. Donc, les confusions auxquelles on peut se prêter, c'est la différence entre une immobilisation et une charge. Donc, l'investissement, on le retrouve en immobilisation, en actif immobilisé, si je suis en train de parler de l'actif, si je me réfère aussi au bilan comptable. Alors que si je parle de charge, donc sa place légitime, c'est le SG, c'est le CPC, et donc l'horizon temporel, c'est le court terme. Donc quand on parle d'investissement, c'est un engagement durable de capital sur le moyen et le long terme. Deuxième définition que l'on peut retenir, et là c'est une définition qui est propre donc, au domaine de la finance d'entreprise, on va parler d'une dépense d'investissement qui intervient aujourd'hui, mais dont le but est de générer des profits futurs, c'est-à-dire que l'entreprise, elle va s'attendre à recevoir donc, des résultats qui vont être forcément excédentaires, dont le but de récupérer d'abord cet investissement et par la suite dégager un retour sur investissement. Donc je récapitule,
un investissement, c'est un engagement durable de capital. Et le deuxième élément, c'est une dépense d'investissement initiale en vue d'obtenir des résultats futurs susceptibles de permettre à l'entreprise de récupérer donc sa mise de départ et éventuellement assurer un bon retour sur investissement pour les investisseurs, pour les bailleurs de fonds, etc. Donc ça, c'est le premier. Donc ça, c'est le premier constat que nous dégageons par rapport à la définition du concept. Deuxième élément, la décision d'investissement, est-ce que vous me recevez? Allô? Allô? Est-ce que vous me recevez? Très bien. Donc, deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est le caractère irréversible de l'investissement. Donc, une entreprise ou toute personne qui va engager un investissement, c'est une dépense qu'elle va débourser aujourd'hui et dont les résultats ils vont se manifester sur le moyen et long terme. Donc, une mauvaise prise de décision ou un mauvais choix d'investissement, un mauvais choix du timing du lancement du projet pourrait tout simplement, ou un mauvais choix par rapport à l'emplacement stratégique du projet ou à son lancement, pourrait conduire à des pertes considérables. Donc voilà pourquoi on est en train de parler du caractère irréversible, c'est-à-dire c'est quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas revenir en arrière une fois que vous l'engagez, donc vous avez besoin de suivre. D'accord ? Donc, deuxième élément ou troisième élément, quand on parle d'investissement, tout de suite saute à l'idée le débat entre erreur tactique et erreur stratégique. Donc, si je suis dans l'exploitation, si je suis dans la production, à la rigueur, quand je commets une erreur par rapport au choix des matières premières ou par rapport au choix de la dynamique de travail que je vais engager ou par rapport au choix de l'emballage ou de la politique de commercialisation ou publicité, donc je pourrais me rattraper sur le court terme. Donc je pourrais me rattraper dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. Mais quand je parle d'investissement, l'erreur ne peut plus être considérée comme une erreur tactique, c'est beaucoup plus une erreur stratégique. Une erreur stratégique, pourquoi? Parce que les pertes, elles peuvent s'enchaîner sur le moyen et le long terme. Et elles peuvent affecter donc la bonne évolution de l'entreprise ou éventuellement donc peut affecter le bon déroulement donc, de la marche de l'entreprise. Un autre élément sur lequel je voudrais revenir, c'est que quand on parle d'investissement, la volonté ou les attentes portent sur la rentabilité. Ça, c'est les attentes, je dirais, donc c'est le béaba chez les investisseurs ou chez les actionnaires. Donc, chez les investisseurs et les actionnaires, on parle de rentabilité. Donc, on parle de rentabilité. Donc, mais les investisseurs et les actionnaires demandent plus que cette rentabilité. Donc, on va parler de création de valeur. Donc, déjà, si votre projet dégage des résultats positifs, donc, si votre projet donc, dégage des résultats futurs et qui nous permettent de récupérer l'investissement, donc on va dire que le projet pourrait être considéré comme rentable. Mais on va parler de création de valeur que lorsque la rentabilité dégagée, elle dépasse ou elle est égale au taux de rentabilité exigé par les actionnaires. C'est-à-dire que si votre projet il dégage une rentabilité de 12%, alors que les actionnaires ou les investisseurs demandent un retour sur investissement en equity de par exemple de 15%, votre projet est rentable mais ne peut pas être considéré comme créateur de valeur. Donc on part de création de valeur à partir du moment où le projet est capable de rémunérer ou de satisfaire les attentes des actionnaires, c'est-à-dire que votre projet devrait proposer un taux de rentabilité de 15% ou supérieur à 15%.
si nous référons à cet exemple. Donc, là, c'est le point sur lequel nous sommes revenus, donc distinction faite entre rentabilité et création de valeur. Donc, la décision d'investissement, on va la prendre par rapport à un contexte, donc par rapport à un environnement. Et donc, cet environnement, il est important de connaître donc, où est-ce que nous sommes par rapport à cet environnement. Et cet environnement, comme vous le savez, il porte sur deux volets, donc environnement interne et environnement externe. Donc, environnement interne, il va nous permettre de tracer les forces et les faiblesses. Et l'environnement externe, il va nous permettre de tracer donc, les opportunités et les menaces auxquelles vont se livrer les entreprises. Et donc par défaut, ou de prime abord, j'ai besoin de maîtriser cet environnement. Donc, pour pouvoir prendre la bonne décision, un préalable est indispensable, c'est la réalisation d'un diagnostic global. Donc, ce diagnostic global, il va vous permettre de faire le point sur ou de tracer un état des lieux ou va vous permettre d'assurer une parfaite prise de connaissance de l'entreprise et de son environnement. Et ça va vous permettre aussi, de pouvoir donc faire une cartographie dans laquelle vous allez essayer de matcher entre les forces et les opportunités. Et donc, vous allez tenter de matcher les faiblesses avec les menaces, tout ça pour essayer d'identifier la meilleure stratégie qui va vous permettre de réaliser avec succès votre démarcation par rapport à votre secteur d'activité ou éventuellement par rapport à votre marché ou par rapport à vos concurrents, etc. Donc, diagnostic global, c'est quelque chose d'indispensable. Donc, c'est un préalable par rapport à l'élaboration de la stratégie et donc par rapport au lancement de la politique d'investissement. Donc, ce diagnostic global, lui aussi, avec le contexte de l'environnement qui ne cesse de gagner en termes de complexité et qui ne cesse de gagner en termes d'instabilité, propose un contexte d'incertitude très poussé. Et du coup, le diagnostic que vous pouvez réaliser par rapport à 2020 ou par rapport à 2019, il ne sera valable que par rapport à la période auquel vous l'avez produit. Donc, si vous l'avez réalisé par rapport à 2019, donc ce diagnostic global est valable par rapport à l'année 2019. Si vous l'avez réalisé par rapport à 2018, il est valable par rapport à l'année 2018. Donc, ce diagnostic global a besoin d'être renforcé, a besoin d'être consolidé, a besoin d'être amélioré ou a besoin d'être mis à jour à travers donc, l'utilisation d'un certain nombre de concepts qui sont en train de connaître un développement sans précédent, donc des thèmes que nous avons, identifiés à travers les éléments suivants. L'intelligence économique qui va permettre à l'entreprise de préparer la réactivité, donc sa réactivité ou sa réaction dans un délai de 2 ans ou de 3 ans, donc afin de plus ou moins se prémunir contre les tendances critiques ou préparer la réaction à l'exploitation d'opportunités prévisionnelles. Vous avez aussi la mise en place de cellules de veille qui vont permettre à l'entreprise d'être à l'afflux des opportunités prévisionnelles et éventuellement de faire en quelque sorte donc de l'espionnage industriel ou de l'espionnage tout court des entreprises afin de faire une forte démarcation afin de suivre l'évolution donc des concurrents et afin de toujours veiller à mettre en place les stratégies adéquates susceptibles d'assurer le leadership pour l'entreprise. Vous avez aussi un thème qui s'appelle la gestion de la connaissance. C'est un élément fondamental. Pourquoi ? Parce que l'entreprise aujourd'hui, elle est amenée à développer donc sa connaissance. Donc la connaissance, ce n'est rien d'autre que les RH et les processus internes de l'entreprise. Donc le développement de cette connaissance va conduire au développement de la courbe d'apprentissage et donc organisationnelle de l'entreprise. Ce développement va permettre d'assurer une amélioration des processus internes.
Et cette amélioration des processus internes, elle va conduire forcément à une meilleure satisfaction des attentes des clients. Et de fait, donc, nous allons avoir une meilleure satisfaction des actionnaires et des investisseurs. Un autre thème susceptible de permettre de pallier à la limite de la maîtrise de la relation client. Donc, on est en train de parler depuis 5 ans, donc par rapport à un thème donc, depuis 2015, on est en train de parler d'un thème de mise en place de stratégie Big Data qui va permettre à l'entreprise de développer une véritable expérience client. Et en développant cette véritable expérience client, on sera amené donc à mieux maîtriser donc les attentes des clients et de ce fait donc de lui proposer le meilleur rapport qualité-prix. Donc voilà les outils sur lesquels vous pouvez miser pour pallier aux limites donc du diagnostic global. Donc ce point nous amène à parler donc d'un autre point qui est très sensible. Quels sont les défis de l'entreprise? Donc, si dans le temps, si avant l'année 2008, les entreprises, elles se concentraient beaucoup plus sur deux défis majeurs. Donc, sur deux défis majeurs, ce sont le défi de la compétitivité et le défi de la performance. L'entreprise de demain ou l'entreprise du présent et l'entreprise du futur, elles doivent faire face. Donc, à sept défis. D'abord, la performance qui était limitée à une performance économique et financière, elle devient en quelque sorte donc une performance globale. Dans la mesure où on a besoin de parler de performance organisationnelle, performance sociale, sociétale, etc. La compétitivité, elle devra être entendue à travers deux volets, donc à travers trois volets, compétitivité à l'échelle nationale, à l'échelle régionale et à l'échelle internationale. Troisième point, donc on a besoin de parler de transparence, donc l'entreprise elle aura besoin de se montrer plus transparente afin qu'elle puisse montrer aux différents investisseurs et aux actionnaires que les pratiques vont convergent vers les pratiques de bonne gouvernance, etc. Nous allons parler aussi d'une entreprise apprenante, une entreprise qui soit agile, c'est-à-dire qu'elle est capable de faire preuve d'adaptation, de réactivité et de flexibilité, et enfin une entreprise innovante susceptible de réagir et d'anticiper toutes les tendances qui peuvent se présenter dans le cadre de cet an, donc de, dans le cadre de son développement sur le monde des affaires. Donc voilà un peu grosso modo une grande introduction sur laquelle nous sommes revenus sur les points sensibles. Le point que je voudrais maintenant attaquer avec vous, donc si vous le souhaitez, je vais attaquer avec vous donc la typologie des investissements. Et en procédant à l'examen de la typologie des investissements, donc je vais vous présenter à peu près 7 à 8 catégories d'investissements. Et par la suite, donc, je vais vous proposer des situations et c'est à vous de me dire quel est l'investissement le plus approprié qui pourrait convenir à la situation que je vais présenter. Donc, quand on parle d'investissement, si je reviens à la conception de l'économie industrielle, au développement des entreprises, les entreprises ont deux choix de croissance. Donc, il y a le choix de la croissance interne, c'est-à-dire que je reste dans l'entreprise et je procède à des investissements soutenus, ou je passe à la croissance externe. Et donc là, je pourrais développer des opérations de fusion-acquisition. Donc, je vais faire des alliances stratégiques. Donc, je vais développer un certain nombre de stratégies qui vont permettre à l'entreprise de compter sur d'autres partenaires afin qu'elle puisse se développer. Donc, déjà, quand on parle de croissance interne, on peut énumérer la catégorie des investissements suivants. D'abord, l'entreprise, quand elle présente, par exemple, les signes, quand vous avez un outil de production ou vous avez une chaîne de production qui présente des signes d'essoufflement, comme par exemple
augmentation du nombre de pannes, augmentation de la facture d'entretien, augmentation de l'utilisation des pièces de rechange. Il est clair que le matériel que vous êtes en train d'utiliser, je dirais donc qu'il est devenu usé. Et donc, automatiquement, vous avez besoin de le remplacer. Et là, donc, première catégorie d'investissement, on est en train de parler d'un investissement de remplacement. D'accord ? Donc, deuxième catégorie, c'est que nous avons à faire donc un investissement de modernisation. Donc un investissement de modernisation, c'est-à-dire que vous avez une technologie actuelle, donc la technologie actuelle que vous êtes en train d'utiliser, elle est, donc je dirais, donc elle vous permet d'assurer un rendement X, elle consomme des énergies, donc elle consomme des énergies à hauteur de Y, par exemple, mais elle vous fait supporter un certain nombre de coûts. Et sur le marché vient d'être lancée une nouvelle, technologie qui vous permet de doubler par exemple le rendement, de faire plus d'économies d'énergie et de réaliser un certain nombre de concepts. Et donc ce que j'étais en train de dire, c'est que l'apparition d'une nouvelle technologie, elle va imposer à l'entreprise de revenir sur la modernisation de son appareil de production, et donc un investissement de modernisation va s'imposer d'office. Troisième catégorie d'investissement sur lequel nous allons revenir, c'est que l'entreprise elle est présente par exemple sur l'axe Casablanca-Rabat, mais elle ne couvre pas tout le territoire national. Et donc si elle voudrait grandir, si elle voudrait couvrir tout le territoire, elle aura besoin de s'étendre. Donc, elle aura besoin de s'étendre, c'est-à-dire que l'entreprise, elle aura besoin de procéder à un investissement d'extension. D'accord ? Donc, quatrième catégorie d'investissement, on va parler d'un investissement d'expansion. Donc un investissement d'expansion, c'est-à-dire que je suis présent, donc un investissement d'expansion, je suis présent dans une zone. Malheureusement, j'ai saturé toutes mes capacités de production. Et donc, il y a un vent favorable, il y a une demande potentielle sur le marché que je n'arrive pas à traiter, et que cette demande, elle est structurelle. Donc l'entreprise, elle aura besoin de procéder à une augmentation de ses capacités de production. D'accord ? À travers la mise en place d'un investissement d'expansion. Vous avez aussi donc une cinquième catégorie, donc toujours dans le cadre de la croissance interne, on parle d'investissement d'innovation. Donc investissement d'innovation, c'est un investissement qui va toucher à deux aspects, soit que votre marché est en train de franchir la phase de déclin et donc vous avez besoin de procéder au lancement d'une nouvelle offre, d'accord, ou peut-être carrément vous avez besoin d'innover à travers un redéploiement dans un nouveau secteur d'activité. Donc soit que votre marché ou votre secteur d'activité est en train de franchir les dernières lignes de la phase de déclin, vous êtes dans la phase de déclin, soit que votre offre de produit est devenue obsolète, totalement dépassée sur le marché, donc vous avez besoin d'innover pour vous lancer sur ce marché. Là, nous avons bouclé la présentation par rapport à la croissance interne, donc je rappelle. Donc vous avez affaire à un investissement de remplacement, un investissement de modernisation, un investissement d'extension, un investissement d'expansion, un investissement d'extension et vous avez affaire à un investissement d'innovation. Donc si nous parlons maintenant de la croissance externe, nous allons identifier donc tout simplement une seule catégorie d'investissement de laquelle va
éclater trois situations. Donc, on va parler d'abord d'un investissement stratégique. Et donc, cet investissement stratégique va dépendre des attentes que nous cherchons. Donc, soit que je peux donc attaquer, par exemple, je peux attaquer la vente donc à travers tout simplement l'absorption d'un fournisseur, parce que mes attentes, c'est de contrôler l'approvisionnement. Donc, on va procéder à travers un investissement stratégique qui devrait permettre l'absorption d'un fournisseur, soit que nous allons intervenir par rapport à l'aval, et donc il y a un client potentiel que nous aurons besoin donc d'approcher. Donc on va l'approcher dans un premier temps, mais nous allons par la suite donc l'absorber pour garantir des débouchés par rapport à notre offre de produits. Ou notre attente serait d'absorber un concurrent et donc de détenir tout de suite donc une augmentation de part de marché suite à cette absorption. Donc voilà grosso modo donc les différents types d'investissements sur lesquels je voulais revenir. D'accord ? Donc là, si vous le souhaitez, donc je vous présente des situations et c'est à vous de me confirmer, donc de me proposer donc la bonne réponse. Donc, première situation,